Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition au sommaire de ce journal de ce vendredi 4 décembre. La campagne de vaccination débutera en janvier 2021 et se déroulera en trois phases. Ces activités de plein air qui ont pu reprendre à l'image des clubs équestres et enfin comment retrouver ces objets perdus. Une start-up bordelaise a peut-être trouvé la solution. La météo pour ce week-end, gris et nuageux et pluvieux également pour ce samedi sur la Nouvelle-Aquitaine. Dimanche, quelques éclaircies devraient faire leur apparition. Des averses pourraient persister sur le sud et l'est de la région. Côté température, il fera entre 5 et 11 degrés pour les maximales en Nouvelle-Aquitaine. Mais pour débuter ce journal, l'ex-chirurgien Joël Skouarnec a donc été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour abus sexuels sur 4 mineurs au terme de 4 jours de procès à huis clos aux assises de Charente-Maritime. Il a été reconnu coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés, une peine de prison conforme aux réquisitions de l'avocat général assortie d'un suivi socio-judiciaire de 3 ans comprenant une injonction de soins. Le Premier ministre Jean Castex s'est donc exprimé ce jeudi soir sur le volet vaccination contre la Covid-19. La vaccination sera donc gratuite pour tous et non obligatoire. Le gouvernement a bloqué 1,5 milliard d'euros pour cette campagne. La France a commandé 200 millions de doses de vaccins par le biais d'appels d'offres européens. Un programme vaccinal qui va se dérouler en trois phases. La première pour les personnels et occupants des EHPAD dès janvier 2021. Cela concerne plus de 900 établissements en Nouvelle-Aquitaine. Deuxième phase de vaccination entre février et le printemps prochain pour les personnes à risque. La phase 3, elle, sera celle de l'élargissement aux autres tranches de la population de plus de 18 ans et sera mise en œuvre à partir de ce printemps. Un cluster a été détecté au sein d'une caserne de pompiers des Landes. Une dizaine de cas ont ainsi été révélés dans l'unité de Cap-Breton. C'est le plus gros regroupement de cas au sein d'une caserne de sapeurs-pompiers depuis le début de la crise sanitaire dans le département. Chaque cas a été écarté du service. Un réseau de contrebande également, en bref, de cigarettes et de proxénétisme a été démantelé entre Bordeaux et la Bulgarie cette semaine par la gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine et les douanes également. 11 personnes ont été interpellées, dont plusieurs dans un campement situé dans un hangar désaffecté quai de Braza à Bordeaux en Gironde. 6 ont été mises en examen pour association de malfaiteurs. Les faits de blanchiment, recel en bande organisée et proxénétisme aggravé ont également été retenus pour l'un d'entre eux. Le bénéfice de la contrebande est évalué entre 200 000 et 400 000 euros. Les fonds étaient blanchis en Bulgarie au travers d'investissements dans les biens immobiliers qui seront saisis par ailleurs. La sécurité, on vous en a parlé pas mal cette semaine, sera donc renforcée demain samedi pour éviter les dérapages de la semaine dernière lors des manifestations contre la loi de sécurité globale. Plusieurs manifestations sont notamment attendues à 14h place de la Bourse contre la loi sécurité globale et à 15h ce samedi également place de la Victoire pour dénoncer cette fois-ci le chômage et la précarité. Et pendant le confinement, nombre d'établissements habituellement ouverts au public doivent cependant poursuivre leur activité, comme les parcs zoologiques. Le soin des animaux est une nécessité quotidienne pour les soigneurs, comme ici au zoo de la Benne, dans les Landes. Alors, le confinement n'a pas beaucoup changé notre quotidien à nous, hein, si ce n'est que ce n'est pas ouvert au public l'après-midi. Nos journées sont toujours les mêmes, soins aux animaux, donc nettoyer les espaces de vie, préparer les rations alimentaires et puis nourrir aussi tous les animaux du parc. Mais nos journées sont vraiment restées exactement les mêmes qu'avant le confinement. Alors, on a certaines espèces, notamment les espèces qui sont domestiques, qui ont vraiment l'habitude d'être en contact du public, qui vraiment, pour le coup, ont ressenti un manque. Le fait de ne pas avoir de visiteurs, de ne pas être sollicités, de ne pas avoir de contact physique, de caresses. Ils étaient très contents quand on a rouvert le parc. Donc là, il y avait vraiment un manque. Les makikata, qui ne sont pourtant pas des espèces domestiques, mais on voit qu'ils nous apprécient beaucoup aussi, aiment bien être au contact des gens aussi, c'est pareil. Donc il y avait une espèce de joie quand on a rouvert au public après le confinement. Après, en dehors de ça, pas de changement global, pas d'animaux tristes ou déprimés. Non, pour eux, la vie est toujours aussi agréable aux zoos, qu'il y ait du monde ou qu'il y ait personne. Ils sont plus en demande d'interaction avec le soigneur quand même. On les sent qu'ils vont peut-être un petit peu plus nous suivre quand on est dans les allées. Donc c'est là qu'on voit qu'ils s'ennuient plus ou moins, peut-être un petit peu plus. Les premiers jours, il y a eu le retour du public, vous avez senti justement une vraie différence? Ah oui, les animaux, ils sont le long du grillage, ils attendent des caresses, des petites friandises que les gens peuvent distribuer, notamment le pop-corn ici au zoo de la Benne, hein, ils en sont assez friands. Mais vraiment, le fait d'être
sous la lumière des projecteurs, d'être au centre de l'attention. Les animaux, ils sont quand même assez sensibles aussi. Donc les dromadaires, ils aiment bien qu'on fasse attention à eux. Les ânes, ils aiment bien avoir des petites caresses aussi. Donc il y a certaines espèces vraiment qui sont différentes des autres, contrairement aux oiseaux où là, on ne voit pas du tout de changement de comportement. Chez ces espèces-là, vraiment, les premiers jours, on a vraiment vu qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Ouais. Voilà, certaines activités sportives ont pu reprendre le 28 novembre dernier. Parmi elles, l'équitation seulement en plein air, à condition bien sûr de respecter un protocole sanitaire strict et notamment les règles de distanciation. Pas de quoi gâcher notamment le plaisir des petits licenciés du Poney Club de Mérignac. Dominique Parentier s'y est rendu. Alors ça, c'est Sandy. Et c'est une bonne ponette, elle est trop mignonne. Allez, vas-y, passe de l'autre côté, je vais attacher ta selle. Ce mercredi, Lana, Shaina, Maë, Samuel et les autres sont ravis de reprendre leur activité préférée après un mois d'abstinence. J'ai hâte et je suis trop contente. J'en ai pas repris depuis un mois. Et alors ? Et je suis trop contente de reprendre. Pour Bérénice, la monitrice auto-entrepreneuse, c'est également un soulagement. Après un mois difficile, malgré les aides de l'État dont elle a pu bénéficier. Parce que du coup, on n'a plus du tout d'activité, on a très peu de travail, on avait juste un peu de travail pour les jeunes chevaux, des choses comme ça, mais par contre, pour tout ce qui est activité principale, c'est-à-dire les cours et l'enseignement, on n'avait plus rien du tout, et donc forcément, c'est à la fois une perte financière et aussi beaucoup de réorganisation en fait quand on réouvre. Il faut en effet rattraper les cours manqués pour la centaine de licenciés abonnés au club à l'année. Chaque dimanche et pendant les vacances scolaires, un moindre mal pour ce petit club associatif. On a eu énormément de chance parce que tous nos clients se sont serrés les coudes avec nous et n'ont pas suspendu les virements et les paiements. Du coup, grâce à ça, on a pu aisément continuer à s'occuper de nos animaux. Et grâce à la diversification de son activité, les dégâts ont été limités. Nous, on a des animaux à charge et notre activité dépend des chevaux. Du coup, aucun frais n'a été levé, c'est-à-dire tant pour les soins, la surveillance ou l'alimentation, tout a continué complètement normalement. Nous, on a le parti pris de faire vivre les chevaux dehors, du coup, qu'ils soient montés ou pas montés, leur équilibre ne change pas. En revanche, les clubs qui sont plus importants et où les chevaux vivent dedans, là, très honnêtement, c'est très très compliqué. Financièrement, ils ont des frais énormes. Quant aux règles sanitaires, elles sont un peu moins contraignantes qu'ailleurs. La distanciation notamment fait partie des règles de sécurité enseignées toute l'année aux petits cavaliers. Seule la convivialité en souffre. Il y a moins de parents qui sont sur le bord de la piste, il y a moins d'anniversaires fêtés, les cavaliers ne se croisent plus entre les cours. Mais pour autant, grâce à ça, on va peut-être pouvoir éviter le troisième confinement. Voilà, le monde équestre, qui compte plus de 600 structures en Nouvelle-Aquitaine, a dû faire face à l'arrêt de ses activités durant les deux périodes de confinement. L'exercice de l'activité en plein air permet donc de limiter les dégâts. Et le nombre de primo-licenciés a d'ailleurs augmenté au mois de septembre. On écoute le président du comité régional de Nouvelle-Aquitaine. À la différence des autres sports, nous, notre outil, entre guillemets, si on peut utiliser cette expression, c'est un être vivant qui a besoin trois fois par jour d'être nourri, soigné, accompagné, surveillé. Et donc, le personnel qui est attaché, eh bien, ne peut pas être en chômage partiel. Et la grosse difficulté, c'était en effet d'avoir des frais fixes considérables. Alors, il est clair que les établissements qui étaient déjà en structure assez précaire, c'est-à-dire qui avaient des difficultés déjà pour équilibrer leurs comptes, risquent fort de pâtir définitivement de cette situation. Par contre, on est assez rassuré du fait d'ailleurs des aides dont on a pu bénéficier, les deux sortes d'aides, hein, les aides gouvernementales liées aux établissements qui étaient en fermeture administrative, donc les centres équestres en ont largement bénéficié, et un petit peu plus d'1,5 million qui ont été distribués aux centres équestres de la Nouvelle-Aquitaine grâce à l'aide de 120 euros par équidé. Près un peu plus de 50% des établissements ont bénéficié de cette aide pour une somme globale d'1,5 million. Et on peut dire que cette aide a permis de sauver les meubles. Découverte à présent en Dordogne, et c'est dans un hangar discret à Montignac que la société Arc Eos s'affaire à réaliser la réplique de la grotte préhistorique Cosquer, immergée dans les calanques de Marseille et inaccessible au public. Dessins et gravures y sont actuellement reconstitués pour être exposés d'ici l'été 2022 à la Villa Méditerranée sur le vieux port marseillais. On travaille en précision pour remodeler la... le panneau qui est déjà très précis. Donc ici, on est dans la société Arc Eos.
voilà, que je dirige, que j'ai créé pour la grotte Chauvet, pour faire le facsimilé de la grotte Chauvet. Et si on se rate à ce moment-là sur la paroi, on n'a pas suivi le truc, rien n'est interdit. Donc c'est le projet de la grotte Cosquer. Nous sommes en train de réaliser le facsimilé, la copie de la grotte Cosquer, à l'identique de la grotte Chauvet en Ardèche ou de la grotte de Lascaux, pas très loin d'ici. En fait, plus les gars ils l'ont expérimenté, si c'est trop clair, bah, les teintes ne se mélangent pas entre elles, enfin, elles ne se diffusent pas comme il faut. Quoi. On usine les fichiers numériques au sein de l'atelier, on fait des coques, et ensuite on les transforme pour avoir la copie la plus précise de la grotte. C'est plutôt pour ces zones-là, non ? Et ici, là, tu vois, ces bordures-là ? Nous avons presque fini les études de conception et de mise en forme du modèle de la grotte qui va être présenté aux visiteurs. Et nous avons... Ouais, mais c'est pas ça, c'est l'éclairage, tu vois, parce que l'éclairage, il est comme ça sur la photo, je pense. Que le président de région de la région sud décide de reconditionner la Villa Méditerranée qui est sur le port de Marseille, qui avait été créée en 2013 pour Marseille, capitale européenne de la culture, et qui décide, pour le coup, d'affecter ce lieu au facsimilé à la copie de la grotte Cosquer. Mais pourquoi tu veux le superposer? Je comprends pas. Bah là, je voulais tester. Ah, ok. Alors, on a à peu près 150 mètres carrés de parois à refaire, avec 10 mètres carrés de sol. Et pour ça, on a 14 mois pour les réaliser. Et égarer son téléphone ou sa carte bleue dans la rue, cela vous est peut-être déjà arrivé, autant dire qu'il faut avoir une certaine chance pour remettre la main dessus. La solution vient peut-être de Finder, une start-up bordelaise qui cherche à mettre en correspondance ceux qui ont perdu leurs objets et ceux qui les ont peut-être trouvés via une application en appelant au civisme de chacun. Baptiste Mouget. Retrouver ses papiers ou son smartphone perdu dans la nature, mission impossible ? Une start-up bordelaise a créé une application sur laquelle on peut référencer une perte d'objets en tout genre, mais aussi leurs trouvailles. Finder veut inciter les gens à faire preuve de solidarité. Finder, c'est une plateforme numérique, en fait. Je reprends les termes solidaires et collaboratifs qui permettent de mettre en relation les perdeurs et les trouveurs pour simplifier et récompenser la restitution d'objets perdus ou trouvés. Qu'avez-vous trouvé ? Donc là, il y a les différentes catégories qui vont se proposer à lui. Il y a également les animaux. Donc voilà, ça reste assez large. À 23 ans, Clémence a participé à la fondation de cette plateforme qui veut créer une véritable communauté d'entraide basée sur un principe de savoir-vivre, rendre ce qui ne nous appartient pas. Nous, notre objectif, c'est vraiment inciter en fait, au civisme de l'un et de l'autre et voilà, donner ces réflexes et ces automatismes à chacun pour dire que voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres et si demain, ça vous arrivait à vous, il y a une solution déjà qui est mise en place pour pouvoir retrouver ces affaires et également faire ce premier pas si tu trouves un objet et te dire « bon voilà, t'as fait une bonne action et si demain ça t'arrive, tu serais content qu'on fasse la même chose ». La plateforme a mis en place un système de récompense lorsque l'on rend un objet à son propriétaire. Place de cinéma ou petite somme d'argent, les bonnes actions en valent la peine. Il ne reste plus qu'une manufacture de linge basque au Pays Basque. Deux autres subsistent encore dans le Béarn. Une indication géographique protégée a vu le jour à la mi-novembre, mais pas forcément suffisante pour sauver l'emploi local, alors que les grands noms du linge basque font souvent fabriquer leurs produits à l'étranger. Egunon Deneri, bonjour à tous. Cette semaine, l'actualité au Pays Basque nous mène à Saint-Palais, en Basse-Navarre, où les machines à tisser de la société Onati sont définitivement arrêtées de tourner. Ce fabricant de linge basque, qui au plus fort de son activité a employé jusqu'à 30 salariés, eh bien, va être définitivement amené à baisser le rideau d'ici la fin de l'année. Il faut dire que la concurrence entre les différentes marques de linge basque est rude et que cette année marquée par le Covid et les confinements ont fini de plomber les comptes de la société. Mais avec la fermeture de cette maison fondée en 1948, eh bien c'est une partie du patrimoine artisanal du Pays Basque qui disparaît, car en effet, une fois que ces dernières nappes créées sortiront de cet atelier, eh bien il ne restera plus qu'un atelier au Pays Basque dédié au tissage de linge basque. Car c'est un paradoxe, hormis deux tisserands encore installés dans le Béarn, eh bien la plupart des grandes marques de linge basque font fabriquer leurs toiles à l'étranger, au Portugal, en Pologne, en Chine, et peuvent vendre leurs produits étiquetés
fabriquée en France, car là aussi c'est un paradoxe, si la confection est réalisée dans l'Hexagone, eh bien ça ne pose pas de problème. Alors c'est pour défendre, protéger ces derniers tisserands qu'une indication géographique protégée, une IGP, vient de voir le jour. Elle est inscrite au journal officiel depuis le 13 novembre dernier et distingue le vrai linge basque, celui qui est tissé dans les Pyrénées-Atlantiques. Malheureusement, cette IGP arrive trop tard pour sauver l'entreprise Onatis et ses 5 derniers salariés qui vont se retrouver sans emploi. C'est cette histoire que nous allons vous raconter ces jours-ci dans les colonnes de Sud-Ouest. Et comme chaque fin de semaine, vous retrouverez votre mag Sud-Ouest dès demain avec votre quotidien du week-end. Et cette semaine, l'équipe du mag vous fait découvrir le pari du bon lait ou comment une exploitation familiale de Gironde a voulu sortir des sentiers battus pour valoriser et vendre ses produits laitiers. Allez, un mot de sport et de basket avant de refermer ce journal, direction la Hongrie où se dispute actuellement l'Euroleague de basket féminin. Et après sa victoire hier soir face à Bourges, 69-66, Basketland affrontait l'hôte de cette compétition, Sopron, qui avait battu Bourges également mardi dernier, 70-60. Les Landais se sont donc inclinés ce soir, 59-70. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous sur TV7.